Numéro 4. Scooter électrique de mer pour adultes. Équipé de deux modes de vitesse. Autonomie puissante, le scooter des mers peut être utilisé pendant 45 minutes dans des circonstances normales. Il a un poids d'un kilogramme, facile à transporter. Un plaisir garanti dans l'eau. Excellente idée de cadeau. Achetez ce produit avec le lien dans la description. Numéro 3. Scooter de mer pour adultes, alimenté par une batterie lithium-ion sûre et respectueuse de l'environnement. Ce scooter des mers a un temps de recharge d'environ 2 heures. Le boîtier de la batterie est étanche, facile à démonter et à installer. Il a une vitesse de 15 km par heure. L'hélice a une puissance de 3200 watts. Il s'agit d'une planche de surf électrique, fabriquée dans un matériau de haute qualité, robuste et durable, équipée d'une batterie et d'un chargeur de batterie. Convient à tous les sports nautiques. Si vous êtes intéressé par cet article, vous trouverez le lien dans la description. Numéro 2. Scooter de mer à 4 vitesses. Équipé d'un écran LCD haute définition et de 4 vitesses. L'article est flottant en cas d'urgence. Peut être utilisé comme une planche de sauvetage flottante. Équipé d'une hélice à grande vitesse. Le boîtier de protection est fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression. Un plaisir garanti dans l'eau. Si vous êtes intéressé par ce produit ou si vous souhaitez connaître son prix, cliquez sur le lien dans la description. Numéro 1. Scooter de mer étanche pour adultes avec deux modes, standard et sport. Équipé de 4 vitesses, l'article flotte à la fin de la charge, il ne coule pas en cas d'urgence. Peut être utilisé comme flotteur de sauvetage. Équipé d'une hélice à grande vitesse. Le boîtier de protection est fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression. Support d'appareil photo, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos. Des LED indiquent la quantité de batterie restante. Le produit pèse 15 kg et a une vitesse de 15 km par heure. Vous trouverez le lien avec le prix de ce produit au bas de la description vidéo.